Bonjour, bienvenue sur ce premier live que nous allons faire avec Aurélie Petit. Je suis Thierry Soulard, je suis auteur des Mystères du Trône de Fer, un livre paru l'année dernière aux éditions Pygmalion, et auteur avec Aurélie Petit, que vous voyez sur l'autre, Mystères du Trône de Fer, tome 2, un second livre qui devait paraître cette année et qui a été repoussé de quelques mois à cause de la pandémie, dont on vous parlera au cours de ce live. Et ce live sera consacré à George Martin, donc l'auteur du Trône de Fer, et le Trône de Fer, le livre qui a donné la série Game of Thrones, auteur de beaucoup d'autres livres. Et parmi ces autres livres, plusieurs parlent d'écologie ou évoquent des pandémies. Donc cette conférence, ou cette discussion plutôt entre moi et Aurélie, sera sur le thème George Martin, pandémie et écologie. Pour me présenter un petit peu plus largement, donc je suis l'auteur de ce livre dont j'ai parlé, Les Mystères du Trône de Fer, tome 1, Les mots sont vivants. Je suis également nouvelliste, vous pouvez trouver des nouvelles dans différents ouvrages qui sont disponibles un peu partout. Je partage ces ouvrages avec d'autres auteurs et autrices talentueux. Et je suis également romancier, même si pour l'instant, je cherche toujours un éditeur pour les plus gros textes que j'ai en stock. Je suis également membre de la Garde de Nuit et modérateur sur le forum de la Garde de Nuit, auquel je participe depuis maintenant 7, 8, 9 ans, comme ça. Donc la Garde de Nuit, Aurélie vous en parlera beaucoup plus dans sa présentation. Donc je vais laisser la parole à Aurélie, qui va maintenant parler d'elle-même et de la Garde de Nuit. Eh bien, bonjour à tous, ravi d'être là et bon bah merci aux organisateurs également pour cette discussion. Alors moi je m'appelle Aurélie, je suis doctorante en histoire et plus particulièrement en histoire ancienne, histoire de la Mésopotamie, et je suis aussi donc membre de la Garde de Nuit. Je suis vice-présidente et la Garde de Nuit, donc pour présenter hein, très très rapidement, c'est un site et une association qui est consacrée à Georges Martin, donc qui est l'auteur du Trône de Fer, hein, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Game of Thrones. Et donc voilà, c'est un site qui est autour de cet auteur-là, donc du Trône de Fer, mais également autour de ses autres œuvres, puisque Georges Martin est un auteur qui a beaucoup écrit avant de faire sa saga de fantasy et qui a beaucoup écrit notamment en science-fiction et qui a abordé certaines thématiques dont celle qui nous occupe aujourd'hui, qui est l'écologie. Donc on va peut-être présenter rapidement un peu avant ce dont parle Avilum Tuf, hein, puisque c'est le livre dont il sera principalement question. Alors, Avilum Tuf, c'est pas un roman classique, c'est un roman qu'on peut appeler fix-up, ou on peut aussi le qualifier d'anthologie. C'est en fait un regroupement de plusieurs nouvelles avec le même personnage comme personnage principal, et en fait, on va suivre ces différentes aventures en fonction des, enfin, dans, voilà, au niveau de tous, enfin de ces aventures. Je m'embrouille, pardon. Il y a 7 nouvelles dans ce roman-là qui ont été écrites à différentes périodes. La toute première nouvelle est écrite en 76, et la toute dernière en. Et le livre en fait est sorti en 86, donc on a 10 années. La thématique principale, c'est un personnage qui s'appelle Avilum Tuf, qui est à l'origine un marchand au physique imposant et marquant. Et il réussit à récupérer un vaisseau aux technologies très avancées et voilà, très avancées, notamment tout un système de clonage pour créer de nouvelles espèces qui viennent de l'univers entier. Et il va se rendre de planète en planète pour régler, on va dire, des problèmes que chaque planète rencontre et qui sont très souvent liés à des questions écologiques et aux questions de relations entre l'homme et son environnement.
Donc voilà, cette nouvelle. Thierry, peut-être ton impression déjà en général sur ce roman. Moi, en fait, c'est un roman pour l'instant, jusqu'à la semaine dernière, j'avais lu que deux nouvelles dedans, qui sont dans Dream Song, l'espèce d'anthologie géante sur George Martin, qui est paru en anglais et en français, la rétrospective en français, voilà. Donc, qui regroupe différentes nouvelles de différentes périodes de la carrière de George Martin, que j'avais beaucoup aimé, qui finissent très bien de façon indépendante. Et c'est seulement ce matin que j'ai terminé le roman, du coup, qui justement, comme tu le disais, est ce que les Anglais appellent une fix-up novel. Donc les fix-up novels, en fait, c'est des romans bricolés à partir de nouvelles. C'est très lié à l'histoire éditoriale qu'il y a derrière ces histoires-là. Parce que George Martin, comme beaucoup d'auteurs de sa génération, a d'abord essayé de vendre des nouvelles à différents magazines, puis pour ensuite entrer sur le marché des romans. Et une façon d'entrer sur le marché des romans en recyclant des textes qu'il avait, c'est de prendre des nouvelles qu'il avait et de les développer. Donc là, il a écrit un début et une fin à ce personnage qu'il aimait beaucoup et qu'il aime toujours beaucoup, qui est l'un de ses personnages préférés. Si on lui demande quel est son personnage préféré dans le Trône de Fer, il va répondre Tyrion, Arya et des personnages du Trône de Fer. Mais dans ces personnages qu'il aime beaucoup de façon générale sur sa carrière, Avi Lantoff a une place à part. Et oui, comme tu le disais, donc Avi Lantoff, en fait, il récupère ce qui s'appelle en anglais un seed ship. Je ne sais pas comment ils l'ont traduit en français, vaisseau graine, quelque chose comme ça, qui en fait est un vaisseau du corps d'ingénieurs de l'ancienne armée fédérale terrienne, et qui est un vaisseau absolument gigantesque par rapport aux standards du monde dans lequel il vit, et qui a la particularité d'être un vaisseau de guerre qui peut aussi être utilisé pour faire de l'écologie. Mais à la base, c'est un vaisseau de guerre, c'est-à-dire que c'est un vaisseau qui peut lancer des épidémies sur des planètes entières, dévaster des planètes simplement par ces capacités de bio-war, de guerre biologique. Mais il peut aussi être utilisé pour faire le bien. C'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cet ouvrage, c'est que on n'est vraiment pas, enfin comme d'habitude chez George Martin, on n'est pas dans la simplicité, on n'est pas que dans les bons sentiments, on est vraiment sur un personnage qui se retrouve avec un pouvoir totalement démesuré, qui est à lui tout seul, et qui essaye d'en faire le bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire le bien? Et quand on se retrouve face à des problématiques de surpopulation, par exemple, il y a trois nouvelles qui font une espèce de fil rouge dans le roman, et qui traitent toutes les trois de la surpopulation sur une planète. Comment est-ce qu'on règle un problème absolument insoluble, en fait, qui est présenté comme un problème de manque de nourriture, pas de surpopulation, mais qui de facto est un problème de surpopulation. Donc, dans un premier temps, Avi Lantoff amène des solutions qui règlent la crise de nourriture, la crise alimentaire, avec un certain coût à chaque fois pour la qualité de vie des habitants, pour l'écosystème, pour la planète en elle-même. Et au bout d'un moment, ça suffit pas, et on se retrouve à devoir faire des choix cornéliens, des vrais choix politiques. Et là, on retrouve le Georges Martin très très doué qui dit que, grosso modo, la politique, c'est jamais parfait. La politique, c'est jamais un choix entre une bonne et une mauvaise idée, entre une bonne et une mauvaise solution. C'est toujours, on fait un choix et on a derrière à payer en fonction de ce choix, certains vont trouver que c'est une bonne idée, certains vont trouver que c'est une très très mauvaise idée, qui est le choix qui a été fait. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué dans ce roman. Moi, en fait, un peu comme toi, j'ai vraiment bien apprécié ce roman. J'ai trouvé certaines faiblesses dans certains schémas qui se répètent, mais globalement, c'est vraiment une lecture que j'ai beaucoup appréciée. Parmi les choses que j'ai appréciées, alors en dehors de l'aspect écologique, pour l'instant, c'est d'abord toute la richesse
et l'imagination qu'il a pour créer ses univers, pour créer ses planètes, pour créer surtout les bêtes dont il est question dans ses... Dans ces différentes nouvelles, hein, parce que c'est aussi très tourné, une partie qui est tournée autour de la création d'animaux et de bêtes assez fantastiques. Et donc ça, voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment bien aimé. On a vraiment une grande, grande richesse dans... Ouais, dans... ce que George Martin aime, hein, on retrouve des kraken, etc. Enfin, beaucoup de choses qu'on retrouve après dans le Trône de Fer. Et l'élément aussi que j'ai bien aimé, c'est tout le rapport que l'humain entretient en fait avec la nature, qui est décliné sous différentes façons en fonction de ces nouvelles, où on a, je trouve au départ en fait une notion d'équilibre, et que les relations entre l'humain et la nature fonctionnent bien quand il y a un certain équilibre. Et l'humain est souvent présenté comme un déclencheur qui va perturber cet équilibre. C'est ce qu'on a dans certaines de ces nouvelles, notamment je pense à la nouvelle qui s'appelle « Les gardiens », qui est une des deux nouvelles qui est dans le recueil rétrospective. Donc l'humain vient en conquérant sur une planète, ça déclenche un déséquilibre. Et voilà, ça c'est tout le propos de la nouvelle. Mais aussi, au-delà de cette vision parfois un petit peu noire, l'humain est aussi présenté comme une solution, en fait. Et je trouve que c'est un élément qui est assez porteur d'espoir. C'est que si on arrive à dialoguer, si on arrive surtout à user de la diplomatie, etc., et à raisonner, rien n'est insurmontable. Hein. Avilain Tuf arrive toujours à trouver une solution, parfois à des prix très élevés, parfois au corps défendant des populations qui n'ont pas vraiment le choix, mais il y a toujours voilà, un espoir et une solution. Au niveau de dialogue, c'est assez amusant d'ailleurs que tu en parles, parce que oui, il faut dialoguer, mais Avilain Tuf n'est pas forcément un personnage avec lequel on peut beaucoup dialoguer, dans le sens où c'est un personnage très particulier, c'est pas du tout un héros classique qu'on aime, c'est même un personnage qu'on peut rapidement trouver assez détestable, ou en tout cas assez pénible à lire. Moi, j'ai trouvé à ce niveau-là... parfois, c'est assez redondant ce qu'il va raconter, et il y a une espèce d'humour sans rire. En fait, le personnage est, je vais utiliser des mots que je ne maîtrise pas parce que je suis pas du tout médecin quoi que ce soit, mais il est limite autiste, on va dire, ou en tout cas, c'est probablement comme ça qu'on pourrait le voir. Il comprend pas le second degré, ou il fait semblant de ne pas comprendre plutôt le second degré. Il va toujours être au premier degré, il va toujours être très, très calme et très premier niveau dans... Donc déjà, ça en fait un personnage intéressant, assez différent des personnages qu'on peut avoir dans pas mal de nouvelles. Mais c'est aussi un personnage qui s'estime plus compétent et plus intelligent que les autres, et qui souvent va s'estimer, va imposer ses solutions, va avoir comme des échecs beaucoup d'avance sur les autres, et il va laisser les autres faire leurs erreurs, mais à la fin, c'est lui qui aura le dernier mot. Parce qu'il sait qu'à la fin, c'est lui qui aura le dernier mot. Mais en même temps, c'est un personnage qui adore les chats, donc c'est quand même un personnage très sympa. Justement, sur ce personnage-là de Avilain Tuf, une des inspirations de George Martin, c'est Sherlock Holmes. En fait, on retrouve un petit peu cet aspect hors du commun, en fait, qui peut être très désagréable. Mais qui marque les esprits par sa personnalité, etc. Et on a aussi tout son aspect végétarien. Avilain Tuf est quelqu'un qui refuse de manger des animaux, qui fait ses cultures de champignons. Donc voilà, par son mode de vie, par son physique, par sa personnalité, c'est ce que tu dis, hein, c'est vraiment un personnage qui a été créé pour se démarquer de pas mal d'autres héros un peu plus classiques, et qu'il aime les chats. Et ça, c'est aussi un élément qui est assez intéressant. Les chats reviennent toujours de façon récurrente dans ces nouvelles-là. On sait que les chats sont même
très important dans ces nouvelles-là. Ils sont essentiels, si c'est même des clés de l'intrigue. Un des chats est notamment pris sur un véritable chat qu'a eu George Martin, qui apparemment est une petite terreur, hein, qui l'a envoyé à l'hôpital un jour, donc méfiez-vous des chats quand même. Et ouais, c'est intéressant de voir que bah, le chat étant l'animal qui est souvent vu comme mignon, surtout qu'il utilise beaucoup de chatons hein, dans ce roman-là, étant vu très mignon, mais en même temps qui peut cacher une arme assez dangereuse. À ce niveau-là aussi, tu parles d'armes, d'animaux utilisés comme armes. Ça, il le fait dans ses nouvelles aussi, justement, Teuf, même si ça ne lui plaît pas de le faire, il va le faire quand il a besoin de faire ça. Son vaisseau lui permet de cloner des animaux et de leur faire atteindre tout de suite un âge adulte quand il a besoin. Donc, il peut cloner des animaux absolument terrifiants qui étaient utilisés pour des chocs psychologiques dans les guerres ou pour... Enfin voilà, si besoin, envoyer le vaisseau avait la possibilité d'envoyer des animaux absolument terrifiants sur des planètes s'il y avait besoin. On va spoiler un petit peu la première nouvelle, mais dans la première nouvelle, il y a un tyrannosaure qui arrive dans le vaisseau. La première nouvelle est extrêmement drôle. Et chaque nouvelle va avoir un ton un petit peu différent. En général, on est sur le roman de façon générale, je le trouve très optimiste et très très hop punk, très feel good parfois sur certaines nouvelles. Sur la fin, il y a un tournant beaucoup plus noir, beaucoup plus politique, beaucoup plus engagé. Pour aller dans la profondeur et pas être justement simplement sur les questions de surface et tout est joli, tout va bien, mais qui est vraiment fait pour aller sur il y a des questions auxquelles on ne pourra jamais de bonnes réponses. Mais la première nouvelle, elle est absolument géniale. Enfin, moi je l'imaginais vraiment il a une écriture super cinématographique sur cette période-là, je trouve, George Martin. On sent que c'est aussi plus ou moins la période où son écriture pour des séries télé pour Hollywood l'a marqué. Elle travaille. Ouais. Cette première nouvelle, elle est super drôle avec différents personnages qui sont dans le vaisseau gigantesque, qui essayent tous de prendre le pouvoir, qui essayent tous de prendre le contrôle du vaisseau et le vaisseau répond donc d'abord par des maladies et ensuite en mettant des bestioles humaines, enfin des bestioles de la Terre et des bestioles de différents mondes extraterrestres dans les couloirs, et c'est absolument hilarant quoi. On a une couverture absolument hilarante de je ne sais quelle édition de Teuf que j'adore, ça fait résumer totalement l'idée de cette première nouvelle. Alors attends, hop là, c'est celle-ci. Qui doit vraiment dater des années 70, cette couverture, je pense. Alors, j'arrive. C'est bon. Ça arrive. Alors, la qualité est moche, évidemment, mais bon, voilà, vous voyez, vous pouvez la retrouver sur Internet. On a un vilain teuf au milieu et on a autour de lui un tyrannosaure, un gorille, une licorne, des chatons, évidemment. On est vraiment sur une science-fiction qui, par moments, peut être totalement foutraque et totalement délirante quand George Martin est d'humeur délirante. Voilà. Sur cet aspect jeu, on retrouve dans cette première nouvelle, celle dont tu parles en fait, qui est la première nouvelle, qui est l'introduction. C'est une nouvelle qu'il a écrite après les autres, puisqu'il l'a écrite en 86. Tu disais qu'elle était très cinématographique, et effectivement, on est pile dans la période où il y a Hollywood, où il fait où il écrit des scénarios pour des séries hollywoodiennes. Et je trouve on a aussi pas mal de thématiques qu'on retrouve un petit peu après dans le Trône de Fer, avec tout ce qui est la quête du pouvoir, mais effectivement en version assez rigolote et très dans les mêmes thématiques, avec la question de qu'est-ce que je veux faire, est-ce que je veux prendre ce vaisseau pour faire le bien, est-ce que je veux prendre ce vaisseau par pur égoïsme pour m'enrichir, etc. Donc on a ces éléments-là qui sont traités de façon assez ludique.
Et cette nouvelle, elle est aussi très efficace. C'est là où on voit son talent de novelliste, en fait, hein, Martin. C'est qu'en très, très peu de pages, il arrive à camper. Il y a quoi ? Il y a 7 personnages principaux. Il arrive à camper 7 personnages principaux, chacun avec sa personnalité propre, ses objectifs, etc., pour les faire s'affronter et découvrir en fait un petit peu tous les éléments merveilleux sur ce vaisseau. Et alors, ce que j'ai aussi bien aimé dans cette série de nouvelles, c'est montrer que aussi la technologie est vue comme un outil, mais pas forcément comme la solution aux enjeux climatiques, aux enjeux écologiques. C'est vraiment un outil. C'est en soi-même, c'est pas une fin. Ça peut aider, mais c'est tout l'aspect. C'est ce que tu disais, c'est tout l'aspect politique. En fait, c'est aux humains de se servir de ces outils et d'arriver à en faire quelque chose pour améliorer leurs conditions, pour faire face aux problèmes. Ouais, et c'est très intéressant en fait ce que tu disais sur le pouvoir. Là, on retrouve vraiment une constante chez George Martin qui est aussi en train de faire, c'est que l'Arche, le nom du vaisseau, il s'appelle l'Arche, donc, référence à l'Arche. C'est un vaisseau qui donne un pouvoir immense à celui qui le maîtrise. Et c'est une autre des thématiques qu'il y a dans le voyage de Tuff Haviland, c'est que c'est un pouvoir quasiment divin. Et il y a plein de références donc à l'Arche de Noé, à Moïse, la multiplication du pain et des poissons, des choses comme ça. C'est un autre fil rouge qu'il y a dans la nouvelle, en fait. C'est quelque chose qui est pas mal baigné probablement de ces 2 années où il a été prof dans une école catholique. Il a une autre nouvelle qui est très inspirée de cette époque-là, c'est Par la Croix et le Dragon, où il y a un inquisiteur dans l'espace qui va traquer les hérétiques à la foi chrétienne. Alors là, on n'est pas sur de la foi chrétienne, mais c'est quand même les personnages sont conscients qu'il y a eu la foi chrétienne, que se disent probablement toujours, même si les religions évoquées ne sont pas celles-là, mais elles sont proches, elles sont plus les descendants qui sont d'ailleurs. Et ce pouvoir que l'Arche donne, que le vaisseau donne, est à peu près, enfin, tout bien considéré, que les dragons donnent au personnage de Game of Thrones, du Trône de Fer. C'est-à-dire que le dragon dans le Trône de Fer, c'est la possibilité d'avoir une seule personne, un pouvoir quasiment divin, seulement de destruction, pour le coup, pas de création comme tu l'as, comme peut l'avoir Adam Duff, mais un seul personnage qui monte un dragon peut détruire une armée, peut détruire un château. Et ça, c'est les thématiques de George Martin, vraiment sur que fait le pouvoir absolu et quand une personne a le pouvoir absolu, est-ce qu'elle choisit de l'utiliser ou pas? Et ensuite, comment elle va choisir de l'utiliser? Et même si elle est pleine de bonnes intentions, même si elle a envie de faire le bien, qu'est-ce que ça veut dire faire le bien, du coup, quand ton seul outil, c'est un dragon, ou là, du coup, quand tu te retrouves face à des problèmes insolubles, comme certains problèmes écologiques le sont. Donc ça, je trouve ça très, très intéressant. Et l'autre chose intéressante, et c'est pour ça que je pensais en lisant la première nouvelle que tu as fait une super bonne série, c'est que George Martin, dans une note de blog, il y a déjà quelques années, quand on était en plein Game of Thrones, avait parlé d'adapter le voyage de Haviland Tuff en série télé. Et personnellement, j'aimerais beaucoup voir ça et j'aimerais surtout voir comment de nouvelles des années 70-80 nous feraient quelque chose aujourd'hui d'actuel, avec les problématiques telles qu'elles sont perçues actuellement écologiques, donc les questions de réchauffement climatique qui ne sont pas évoquées dans Haviland Tuff, parce que c'est probablement quelque chose qui n'existait pas à l'époque. Comment ça serait vu aujourd'hui c'est vraiment un roman qui a une très grosse actualité et qui, remis au bout du jour par le biais d'une série télé, pourrait poser d'excellentes questions. Et j'aimerais beaucoup voir ça. C'est vraiment quelque chose de très sympa. Ton vœu sera peut-être exaucé, étant donné qu'en 2019, George Martin a laissé entendre qu'il y avait peut-être quelque chose qui se préparait sur Haviland Tuff. Sous la direction de... Enfin, sous la direction.
en tout cas, qui est associé au projet T. Mikkel, qui est une de ses assistantes qui l'aide aussi à écrire sur le trône de fer. Et qui est aussi engagée dans House of the Dragon, aussi la série préquel. Et on est d'accord avec toi sur tout ce travail d'adaptation qu'on verra peut-être. Parce que c'est comme tu disais, on a beaucoup de thématiques écologiques qui sont assez propres aux années 70 et 80 avec toute la question de la surpopulation. On a aussi toute la thématique de la course à l'armement. Il y a une nouvelle qui est vraiment centrée sur cette. En 76, on est après la guerre du Vietnam, on est vraiment pendant la guerre froide et dans cette ambiance en fait. On n'est pas au plus haut hein, de cette guerre froide, enfin de cette course aux armements qui a eu lieu quelques années avant. Mais voilà, on est dans ce contexte-là et voir ce personnage-là dans des thématiques donc écologiques, mais beaucoup plus actuelles, effectivement autour du réchauffement climatique, serait quelque chose de vraiment très intéressant. Je sais que sur le trône de fer, il y en a pas mal qui ont fait le rapprochement entre les marcheurs blancs et l'arrivée du réchauffement climatique. Alors ça, c'est quelque chose que George Martin n'avait pas du tout en tête, en fait, quand il a écrit ces histoires de marcheurs blancs. En fait, il a dit ensuite, en disant, en fait, c'est beaucoup plus la métaphore de « il y a une catastrophe qui arrive et il faut que les humains s'unissent pour trouver une solution ». C'est quelque chose qui est aussi très, très développé dans « Un vilain tuf », en fait. Hein. Toujours cet élément de « ensemble, on est plus fort ». Mais voilà, on retrouve, enfin en tout cas, les travaux de George Martin sont aussi souvent mis en lien avec des thématiques écologiques, environnementales, etc. Et ce serait intéressant de voir oui, comment c'est adapté aujourd'hui. Ce que je trouve aussi intéressant chez Martin, c'est que comme toujours, c'est jamais monolithique, c'est jamais ou tout noir ou tout blanc. Et la nature, par exemple, n'est pas du tout idéalisée. On a une nature qui peut s'avérer extrêmement violente et cruelle, comme une nature qui peut se retrouver belle, etc. Et donc voilà, revoir ces thématiques-là aujourd'hui, ce serait intéressant. On aura peut-être des nouvelles de ce projet-là un peu plus tard. On vous tiendra en courant, en tout cas. Moi, en tout cas, pour voir comment c'est fait, mais j'aimerais vraiment beaucoup voir ça. Il y a une fin dans Un vilain tuf, le roman, qui, à mon avis, est assez proche de ce que George Martin veut faire dans Game of Thrones, dans le truc de faire, qui continue à se faire. Comme genre, fin de sa mère, fin qui pose des questions compliquées, Un vilain tuf, c'est pas mal. Et moyen de faire quelque chose avec des épisodes très différents qui vont parfois vers la comédie, parfois vers des questions beaucoup plus dures. J'aimerais vraiment voir ça. Et en termes d'acteurs, dans la première fois qu'il en avait parlé au podcast, pour une adaptation, il avait parlé en fait de l'acteur qui joue Varys dans Game of Thrones. J'ai oublié son nom, mais. Du coup, pour ceux qui voudraient imaginer un vilain tuf, normalement il fait 2m30 ou 2m50 dans les bouquins. Mais je pense pas qu'ils arriveront vraiment à trouver un acteur de 2m50 qui soit vraiment crédible pour un premier rôle et qui arrive en peut-être ça doit exister. Mais l'équivalent monde réel, c'était ça, donc c'était l'acteur qui joue Varys. Pour ceux qui voudraient un peu imaginer un vilain tuf, ça serait ça, grosso modo, ça serait Varys dans un vaisseau spatial avec un pouvoir démesuré qui peut balancer sur des planètes des pestes, des épidémies, des tyrannosaures ou des plantes qui permettent de nourrir toute une population affamée ou de sauver des gens comme ça par divers méthodes. Et c'est faudra voir. Pour placer un peu Un vilain tuf dans un cadre un peu plus général, c'est un roman qui appartient à l'univers de science-fiction de George Martin, qui s'appelle l'univers
du monde, parce que voilà, hein, George Martin n'a pas créé que l'univers du Trône du Fer, son univers de science-fiction, donc c'est l'univers des mille mondes. La nouvelle dont tu parlais, Par la Croix et le Dragon, fait aussi partie de cet univers-là. Alors, par contre, contrairement au Trône de Fer, on n'a pas du tout, c'est pas du tout un univers qui est cohérent et suivi. En fait, il y a une histoire derrière, etc., mais ça va plus être des mosaïques d'histoires qui se passent dans des lieux géographiques. Thématiques qui lui sont assez chères, on les retrouve assez généralement sur voilà, comment bien faire les choses avec les contraintes qui sont les siennes. Il y a toute une réflexion sur le pouvoir, sur une fois qu'on a le pouvoir, qu'est-ce qu'on en fait. Il le développe pas mal, un petit peu moins par la suite, mais effectivement la place de la religion là-dedans et la nouvelle dans Avril Huntuff qui s'appelle, je crois, on l'appelait Moïse en français, qui reprend vraiment un peu parodique. Ouais. De façon un peu parodique ces éléments-là. Donc voilà, en tout cas je vous encourage vraiment à lire quelques autres de ces nouvelles qui font partie de cet univers-là. Par la Croix et le Dragon était sympathique. Les Rois des Sables, il y avait. Et Les Rois des Sables est une nouvelle d'horreur qui a été énormément primée, qui a eu plusieurs adaptations dans des séries télé, dans la quatrième dimension, je crois, dans des choses comme ça. Par la Croix et le Dragon, je crois qu'elle a eu un prix Hugo, qu'au moins elle était nominée dans les prix Hugo. Elle a eu un prix Hugo. Donc voilà, c'est des très bons ouvrages, des très bonnes œuvres de George Martin. C'est des nouvelles assez longues, ce qu'ils appellent des novellas en anglais, qu'on n'a pas vraiment comme équivalent chez nous en français, à part par exemple la collection Une heure lumière chez Le Bélial, pour ceux qui connaissent. Donc c'est à mi-chemin entre la petite nouvelle de 20-30 pages et le gros roman de 300 pages. Donc on est sur du 100-150 pages souvent, quoi, ces choses-là. Et tiens, je vais rebondir sur ce que tu as dit sur l'aspect horrifique. Avril Huntuff étant un roman fixable, il y a énormément d'ambiances différentes et je trouve que la première nouvelle joue un peu sur des codes horrifiques. On parle de la série, une adaptation avec des styles d'épisodes vraiment très très différents en fait. L'horrifique est quelque chose qui développe aussi avec d'autres nouvelles. Le Volcrine qui a été adapté il n'y a pas très longtemps en série Night Flyers. Alors la série pour le coup est très éloignée de la nouvelle d'origine. Mais on retrouve un petit peu cette ambiance de horreur dans l'espace. Hein, la nouvelle d'origine, c'est vraiment ça, c'est vraiment maison hantée dans l'espace, quoi. C'est comme ça qu'ils l'avaient pensé. C'est ça, c'est dans l'univers d'Alien, etc. Quoi, en fait, science-fiction horrifique. Grosso modo, les bateaux fantômes, les idées comme ça. Mais la fin est un peu écologique, on va dire, enfin un peu peut-être intéressant, on va pas spoiler la fin quoi, mais la fin se raccroche un petit peu à notre thématique aussi là. Je vais repartir aussi sur Game of Thrones, le Trône de Fer, justement pour parler tu parlais tout à l'heure des marcheurs blancs, du mur, de l'hivernien, donc tout ce qui avait été vu tout ce qui est souvent vu aujourd'hui comme étant une métaphore du réchauffement climatique. Donc là-dessus, c'est ça qui est très intéressant, de voir comment on va caler des problématiques sur une métaphore, en fait, sur un monstre inventé par un auteur, va être perçu comme la métaphore d'une menace réelle, même a posteriori, parce que la menace, quand l'auteur a écrit ça dans les années 90, il ne l'avait pas forcément en tête. Mais depuis, il s'est passé 30 ans et la menace est présente dans tous les esprits. Donc, c'est assez marrant de voir comment on va
essayer de trouver des monstres métaphoriques pour nos craintes réelles et nos dangers réels dans notre monde. Ouais, c'est et voilà, et lui-même aussi, alors il change pas vraiment d'interprétation, mais voilà, il fait des commentaires aussi sur son œuvre. Alors, de manière générale, il dit que son œuvre est pas, enfin, dans le Trône de Fer, est pas une métaphore directe d'éléments contemporains, enfin d'éléments précis, mais voilà, George Martin étant quelqu'un d'extrêmement engagé, hein, politiquement, enfin qui a ses idées, il a été objecteur de conscience pendant la guerre du Vietnam, il est assez proche de pas mal de thématiques d'écologie, de féminisme, etc. C'est des choses qui retransmet dans son œuvre. Et ben, par exemple, on va pouvoir rebondir sur les sujets des épidémies, donc qui est un sujet bon très très actuel. Et on a, enfin, il insère dans son plusieurs épidémies. Hein. Alors, le Trône de Fer est un univers qui reprend énormément d'inspiration historique. Pour créer tout son monde, en fait, c'est énormément d'inspiration historique, notamment des inspirations médiévales, mais pas que. Et notamment la grande épidémie de peste du XIVe siècle, lui a servi d'inspiration pour plusieurs de ces épidémies qui apparaissent dans les livres. Bon, moi, la façon dont il l'utilise, c'est pour, je trouve, à mon sens, hein, tu me diras si tu es d'accord avec ça, mais c'est aussi pour montrer que l'humain, qu'il soit riche ou pauvre, etc., reste quelque chose qui peut être fragile par rapport à ces épidémies et à des éléments qu'il ne peut pas contrôler, il ne peut pas tout contrôler. Et ça vient casser un petit peu les éléments, enfin la construction inégalitaire de la société qu'il a créée dans le Trône de Fer. Et donc c'est une thématique assez intéressante qui développe par le biais justement des épidémies. Ouais, c'est ça qui est assez marrant d'un point de vue narratif. C'est ce que plusieurs personnes disent, c'est les humains font leur coup, faisons nos plans, et les dieux les mettent par terre d'une pichenette. C'est-à-dire que George Martin, il va utiliser souvent les maladies, les épidémies. Alors, ça va jamais être gratuit, ça va toujours avoir un impact derrière, ça va toujours permettre de relancer les choses et de marquer les personnages d'une façon ou d'une autre. Mais il va l'utiliser pour rebattre totalement les cartes et pour dire que voilà, vous avez beau faire le meilleur plan du monde, vous avez tout prévu, et pas de chance, il y a une épidémie qui ravage votre armée et ce que vous aviez prévu, tout est par terre, il faut complètement changer vos plans. Donc à ce niveau-là, il est aussi très réaliste. En fait, il a différentes maladies déjà dans son monde. C'est pas juste une maladie comme ça qui va venir. Il y a la grille d'écaille, qui est aussi la plaie des croûtes, qui est très probablement la même, mais on voit quelques petites différences quand on est sur les détails. Il y a des épidémies de la grille d'écaille, les croûtes. Bon, grosso modo, on est sur une espèce de lèpre. On a des épidémies de grippe, plus ou moins, donc qui sont des frissons. On va avoir comme ça d'autres maladies qui vont revenir de façon plus ou moins régulière dans l'histoire du trône de fer, comme chez nous, on a des épidémies qui reviennent de façon plus ou moins régulière dans notre monde. Il y a la Kaksang qui est très intéressante et très importante dans le tome 5, parce que justement, elle se répand dans les armées qui assiègent la ville de Myrin, où sont les forces de Daenerys Targaryen. Et ce qui est très, très intéressant, une anecdote historique, c'est que, à la toute fin du tome 5, les catapultes qui sont à l'extérieur de la ville commencent à lancer non pas des pierres, mais des corps infectés par la Kaksang pour répandre la maladie à l'intérieur de la ville. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'un camp mongol a fait et qui aurait probablement contribué, ou en tout cas ça a longtemps été vu comme ça, que c'était à cause de ça que la peste noire était arrivée en Europe en 1347,
Donc, c'était quand Johnny Day, qui s'appelait, qui était à ce moment-là la tête de la Horde d'Or, qui faisait le siège d'une ville en Crimée, et pour, avant de lever le camp avec ses armées, parce que ça ne marchait pas son siège, et parce que justement son armée était décimée par la peste, il balance des corps de l'autre côté, dans la ville. Donc, comme c'est une ville portuaire, ensuite, via le port, l'épidémie se répand un petit peu partout en Méditerranée, jusqu'en Angleterre. Et l'épidémie de peste qui avait mis des dizaines d'années à passer de la Mongolie intérieure, grosso modo, à la Crimée, se retrouve là en quelques années partout en Europe et totalement dispersée grâce aux ports et aux moyens modernes. Bon, ça c'est historiquement parlant, c'est probablement pas aussi simple que ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est une anecdote qui a été très souvent reprise dans énormément de livres d'histoire populaire. Donc, c'est le livre qu'on aime, et qu'il a très probablement croisé cette anecdote, et que comme bon nombre d'anecdotes historiques, en fait, George Martin va probablement ou potentiellement la réutiliser, et à partir, si on imagine que les armées de Daenerys vont quitter Meereen bientôt, à partir de Meereen, en fait, on a possiblement une épidémie de Caxang qui va se répandre à Westeros, il arrive à Westeros derrière. Tout comme on a déjà aussi une épidémie de léprose qui arrive probablement, vu qu'on a plusieurs foyers de léprose qui arrivent avec différents personnages qui sont à Westeros et qui viennent d'endroits qui étaient contaminés par la léprose. Ouais, donc voilà, on voit la nature et pas forcément l'aspect le plus sympathique dans le trône de fer. Mais ouais, la façon dont ils utilisent les inspirations historiques, hein, c'est, comme tu disais, c'est assez symptomatique de ce qu'il fait, souvent et régulièrement. Ça lui permet de faire un clin d'œil au lecteur qui va tout de suite faire le lien. En fait, la Caxang, oh, ça me rappelle tout ce qui est diphtérie, oh, la peste, etc. Donc voilà, ça va l'impliquer peut-être un peu plus dans le récit. Donc voilà, ça relance, ouais, ça relance l'intrigue, parce que là, on est à la fin du tome 5 et à peu près tout peut arriver, en fait. Ouais, ce qui peut être intéressant de voir, c'est qu'il avait prévu des choses en rapport avec des épidémies. C'était mis en place avec la Caxang, avec la léprose, les frissons, il avait ses propres maladies dans son univers qui avaient un impact sur son intrigue. Mais pour l'instant, c'était plus des mises en place que des intrigues totalement lancées. Est-ce que la période qu'on vient de vivre et qui est toujours aux États-Unis, ils sont encore plus confinés que nous normalement, quoi. En quoi ça va l'influencer ou pas? Est-ce que ça va lui faire changer des plans? Est-ce que ça va lui donner envie de fouiller encore plus sur certaines questions d'histoire, justement comment les gens vivaient au temps de la peste noire comment ça va se passer? Ça peut être très intéressant. Moi, quand on a fait les recherches pour notre livre, dans un livre historique sur la guerre de 100 ans, il y avait justement une page 2 qui décrit comment les gens vivaient pendant la peste noire, et ce qui était assez marquant, c'était qu'ils vivaient plus ou moins selon des méthodes des riches et des pauvres. Elle est présente chez leur mari. Il y a des phrases qui vont dire que la maladie va toucher aussi bien les riches que les pauvres. Mais dans le même temps, il y a le Don Rouge qui va se confiner quand les frissons arrivent, donc le roi, les puissances royales qui restent enfermées dans le château, dans le palais, et il y a des serviteurs qui vont faire les courses et qui risquent de tomber malades, mais on fait en sorte que le roi et la cour royale ne tombent pas malades. Et bon, là quand même, il y a un petit peu cette question d'épidémie qui a des conséquences différentes selon qu'on soit riche ou misérable, quoi. Donc ça il dans Feu et Sang, en tout cas le dernier roman paru, et du coup à voir ce que ça donnera derrière. Moi, en tout cas, ce qui m'a marqué quand on a travaillé sur ce livre qui sortira d'ici quelques mois,
c'est vraiment comment il utilise l'histoire à la fois comme une toile de fond. On a ce côté Moyen-Âge rêvé qu'on a tous plus ou moins dans la tête parce qu'on a vu des films, on a vu des histoires sur le Moyen-Âge et on sait tous un petit peu comment ça se passait sans être précisément dans la chose. Et en même temps, comment il a utilisé des anecdotes ultra précises du Moyen-Âge et les réintégrer de façon déguisée dans son intrigue. Et ça, c'est assez passionnant, en fait. C'est un puits sans fond, parfois, j'avais l'impression, mais c'est assez passionnant de voir comment il connaît très bien son histoire, que ce soit son histoire médiévale, son histoire antique, d'autres périodes il va se passionner pour les grandes découvertes, il va se passionner pour les Celtes, il va se passionner pour des choses comme ça, quoi. Et les Vikings, beaucoup. Les Vikings sont quand même une énorme, enfin, l'histoire viking, qu'on appelle le phénomène viking, est une énorme influence. Et comment, à partir de toutes ces anecdotes, il va faire non pas du roman historique, mais de la fantaisie, c'est-à-dire quelque chose qui réutilise, de la fantaisie historique, quelque chose qui va réutiliser l'histoire, mais dans lequel il est quand même totalement libre de faire ce qu'il veut en termes de scénario, et où il peut même rajouter des dragons. Et Donc ça ce passe. tome 2 qu'on fait avec Aurélie, il s'applique vraiment à essayer de traquer ses influences historiques et de voir comment il utilise l'histoire. Et à ce niveau-là, c'était super intéressant pour moi, qui ne suis pas historien, de travailler avec une doctorante en histoire, pour voir les méthodes de travail, la façon, enfin, les divergences qu'on avait parfois, mais la C'est façon bon, bah. dont on a été. Travailler, donc voilà. Je sais pas si pour toi, Aurélie, ça a été compliqué de travailler avec moi ou pas. Ça a été un travail très différent de ton travail d'historienne habituel, mais en tout cas, moi j'ai vraiment trouvé que c'était un travail passionnant à faire. Bah non, c'est pareil. Enfin, et puis même l'approche, les approches étant vraiment assez différentes, en fait, elles étaient assez complémentaires, en fait, en voyant parfois j'allais trop dans le détail et trop dans le détail, etc. Donc non, non, au niveau de l'ensemble, je trouve que c'était assez enrichissant, justement de voir même, enfin, pour moi, organiser les idées, etc. Enfin, je pense que j'aurais jamais pu le faire seule. Donc voilà, c'était. Ok. Et en conclusion, peut-être, voilà, dire, bon, désolé déjà pour désolé pour le petit problème technique. Ouais, bah, du coup, lisez à vilain tuf, ou teuf, ou je ne sais pas. C'est vraiment un roman de science-fiction, science-fiction écologique. Qui est très très intéressant, aussi bien sur les thématiques qui étaient au cœur des attentes des Américains des années 70 et 80, des problématiques écologiques qui étaient développées à ce moment-là. C'est en plus un roman qui, au-delà de ces aspects-là, est vraiment assez agréable à lire. Ça se lit rapidement et ça permet d'ouvrir, bah, sur tout un univers de styles et de genres différents. Tout à fait. Et en plus, même si la fin va pas être totalement open, c'est-à-dire pas totalement sur l'idée tout va bien dans le meilleur des mondes, on est sur cette idée d'essayer de faire de la science-fiction utopiste, de la science-fiction écologiste, qui est très à la mode aujourd'hui, mais qui est très difficile à écrire, parce qu'écrire des histoires qui concernent des enjeux écologiques et où les gens vont à la fin bien s'en tirer, que ça soit pas juste une catastrophe et le monde est pollué et les gens essayent de survivre là-dedans. C'est très difficile, en fait. Et A Vilain Teuf, c'est un très bon exemple de ça, même s'il est un petit peu daté, puisque le 70-80, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé pour ça. Donc, voilà. Voilà. Donc, Venez. lisez Georges Martin, il y avait 29. Voilà. Et venez sur le site de la Garde de Nuit, on est là, et n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et bonne lecture à vous, et puis bah, au revoir! Et Au revoir et merci. merci à vous.
Cette table ronde vient de se terminer, mais le festival continue tout le week-end. Le programme complet est disponible sur nice-fiction.fr. Les stands vous attendent sur notre serveur Discord. Pensez également à visiter nos expositions 3D et n'hésitez pas à intervenir dans le chat des conférences et tables rondes si vous avez des questions.